a peut-être des règles. Enfin, on voit pas trop les règles code de la route, des trucs comme ça, parce que on fait un peu n'importe comment. On a fait un premier déjeuner à Katmandou et je trouve que ça ressemble un peu à la cuisine que je mange à la maison. C'est bien épicé et c'est fort surtout. À la fois extraordinaire et à la fois très bouleversante parce que on a un côté très pauvre, on va dire, mais c'est très beau, c'est vraiment magnifique. Et les petits drapeaux, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais les petits drapeaux et puis les gens en général sont ils sont très gentils et c'est incroyable. Ça rend la ville magnifique, même si elle n'a pas forcément les moyens de l'être selon les critères de maintenant. Dans un temple sacré, et autour de moi il y a des singes, des petits singes. Les gens viennent ici pour demander des grâces, pour prier pour leur famille. Et là, comme en ce moment on est en plein Covid, que tout ça s'arrête, qu'il y a la guerre, que tout s'arrête, et voilà, pour la prospérité et tout. Totalement différent de la Réunion, ou bien quand on va en Europe, ou bien c'est une autre culture, une autre manière de vivre. Genre, moi je trouve ça trop bien en fait. Ça permet de découvrir de nouvelles choses et tout. Et voilà, c'est que du plus. Quoi de prévu aujourd'hui ? Maroni, je vais te faire découvrir un super dispositif. Le chèque Marmaille, un joli coup de pouce pour les parents. Écoutez, il est ça. Viens mettre tout mon cas. Justement, je suis sur place pour rencontrer une maman qui en a bénéficié. Elle va tout nous expliquer, tu vas voir. Vous aussi, le chèque Marmaille, ça vous intéresse ? Alors suivez-moi. C'est ici, à Sainte-Clotilde, que Prisca Koukan vit avec ses trois enfants. Cette mère célibataire peut travailler en toute sérénité grâce au chèque Marmaille du département. Avec ce soutien financier, son petit dernier peut aller à la crèche pendant que maman travaille. Allez, on va tout de suite la rejoindre. Prisca, merci de nous accueillir aujourd'hui. Avec plaisir. Alors dis-nous concrètement, à quoi te sert le chèque Marmaille ? Le chèque Marmaille, ça me permet de m'aider à payer la facture de crèche sans trop dépenser financièrement, ou même voir parfois pas du tout. Et comment est-ce que ça fonctionne ? Quand tous les mois la facture sort, je reçois un chéquier. Je l'utilise tous les mois pour payer cette fameuse facture de crèche. Voilà. Et ce chèque Marmaille, il t'a aidé professionnellement ? De quelle manière ? Oui, il m'a beaucoup aidé professionnellement. J'étais dans la restauration autrefois. Le fait que je peux faire garder mon enfant sans trop dépenser, faire une formation justement par rapport à ça, et donc je travaille à l'heure d'aujourd'hui en tant qu'aide à domicile pour les personnes âgées handicapées. Et ce chèque Marmaille, il dure combien de temps ? J'ai appris qu'il peut être utilisé jusqu'à l'âge des 6 ans. Une bonne nouvelle alors. Très bonne nouvelle. Merci en tout cas, Prisca. Merci à vous. Grâce au chèque Marmaille, des parents comme Prisca peuvent inscrire leur enfant à la crèche ou avec une assistante maternelle. Depuis 2013, le département permet aux familles modestes de faire garder leur Marmaille à prix réduit. Et vous allez l'entendre, le dispositif est également prévu pour les enfants porteurs de handicap. Bonjour docteur, nous sommes dans une magnifique crèche de Saint-Denis qui utilise le chèque Marmaille. Alors dites-nous, comment ça marche ? Le chèque Marmaille est un dispositif du conseil départemental. Il vise à soutenir les parents pour les inscrire dans un mode d'accueil du jeune enfant. Cela peut être en crèche, avec un montant allant jusqu'à 840 euros par an, ou chez une assistante maternelle agréée du dispositif, jusqu'à 1200 euros par an.
et comment est-ce que les parents peuvent bénéficier de ce chèque Marmaille? Il s'agit de remplir un formulaire et de le retourner au conseil départemental. Il peut être téléchargé sur le site du conseil départemental, récupéré dans un centre de PMI, ou bien les parents peuvent aller directement à la cellule chèque Marmaille sur Saint-Denis. Alors vous avez également pensé aux parents d'enfants en situation de handicap. De quelle façon? Un enfant porteur de handicap qui a un projet d'accueil individualisé au sein d'une de ces structures peut bénéficier du chèque Marmaille avec un montant allant jusqu'à 250 euros par mois et sans limite du quotient familial. Merci docteur. Merci. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, contactez la direction Enfance Famille, Service Ressources, cellule chèque Marmaille par téléphone au 02 62 90 07 47 ou sur le site internet www.cg974.fr. Le département des générations, c'est fini. Si vous souhaitez revoir cet épisode ainsi que les précédents, rendez-vous sur nos sites et nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt! Salut Alexandre! Bonjour Maroni, tu vas où aujourd'hui? Mais les comme en vacances à Saint-Gilles, c'est là que les aidants familiaux peuvent venir se détendre. Et tu sais, ben, on en a bien besoin. Ah, ça c'est sûr! Et comment se déroulent ces moments de repos? Eh ben justement, mais ça redécouvre tout ça. Mais laisse ça où? Ce jeudi 21 avril, le président du conseil départemental, Cyril Melchior, participait à l'opération de plantation d'arbres dans le parc boisé de Casabona à Saint-Pierre. Des enfants plantent des arbres accompagnés d'adultes. Pour moi, c'est un grand événement. Et c'est pour ça que j'ai tenu à être là aujourd'hui. Bien sûr, quand on parle de Casabona, on sait qu'il y a eu beaucoup d'émotions autour des arbres ici à Casabona. Mais moi, je suis là pour faire comprendre que nous avons une belle nature. Cette nature doit être préservée. Et on le fait en associant les enfants, bien évidemment aussi les collégiens du collège Paul Hermann. Et je salue cette initiative de la municipalité. Une opération menée par la commune, soutenue par le département, en compagnie des élus, des associations de quartier, ainsi que des petits Saint-Pierrois. Parce que pour protéger l'environnement, et s'il n'y avait plus d'arbres, il n'y aurait plus d'oxygène. Donc c'est bien de planter des arbres et... Voilà, il faut continuer de planter des arbres, il ne faut pas que ça s'arrête. Pour la nature. Vu que les arbres sont en train de pourrir, c'est important pour notre vie et aussi pour notre avenir. Ouais. Plants de bain-joint, de bois d'hosto et autres bois de golette, ce sont 200 premiers pieds de bois qui ont été mis en terre et qui peupleront la future forêt urbaine de Casabona. Cette opération, ça fait partie d'un ensemble de notre projet et de notre programme pour les 6 prochaines années. On va en planter, je pense, 6000 arbres sur cette parcelle. Aujourd'hui, c'est 200. On est en train de préparer en pépinière. Et puis, on a la chance aussi d'avoir aussi la SPL Eden avec le département qui nous accompagne aussi sur ce projet. Donc, il y aura un peu plus de 6000 arbres qui vont être plantés sur... Ce parcours urbain et cette forêt urbaine. Une action citoyenne qui permet de réimplanter des espèces indigènes et endémiques dans la zone et, à terme, d'améliorer le cadre de vie des habitants du quartier. Ouais, non, faut pas des baskets. Non, mais je pense à... On va faire le rythme du dernier. D'accord ? C'est quand même plus de mal. Et quand vous avez un petit souci, vous nous le dites tout de suite. Shut up!
Plus on monte, moins il y a d'air. Donc ils vont avoir l'impression de manquer d'air. Ils peuvent commencer à avoir mal à la tête, ensuite des nausées, des vertiges, avoir l'impression qu'ils n'arrivent plus, ils hyperventilent, ils vont être un peu manqués d'air. Et puis après, ils peuvent ne plus avancer, hein, commencer un peu à délirer. Mais pour le moment, tout le monde va bien. Tout contrôle, ne vous inquiétez pas. J'ai eu du mal à respirer en même temps, je me disais que c'était normal. Puis au fur et à mesure, je me suis dit, ouais, si t'as du mal à respirer maintenant, est-ce que tu vas réussir plus haut? Ça m'a fait angoisser. Et au départ, j'en parlais aux filles à côté de moi. Et puis tout d'un coup, il y a le docteur qui arrive, je sais même pas pourquoi, je l'ai pas appelé. Il m'a carrément rassurée, il m'a assise, il a pris... non, pas, c'est pas ma tension, mais il m'a mis le truc au doigt. Voilà, il m'a rassurée, il m'a pris dans ses bras et vraiment, il a eu des paroles très rassurantes. Et c'est pour ça que maintenant, je vais mieux. Je stresse moins et c'est cool. Allez Mathilde! Yes! Oui, oui. On a fait yes! Petit, s'il vous plaît! Ma queen! Le groupe a réussi à monter. Voilà, collectivement, il y a eu de belles émotions qui les ont portées. Après, on a été portés aussi par les villageois. Même les femmes du village sont venues. C'est énorme, quoi. Techniquement, c'est pas très compliqué. Mais l'altitude, bon, voilà, l'altitude est un élément fondamental dans la réussite. Et ils ont appris, je pense qu'ils ont appris énormément de choses, quoi. Bien au-delà d'une performance sportive. Et ça, c'est le fondement même de l'éducation. Il y aura probablement un avant et un après. Tout est là pour... on n'a pas de blessés, on n'a pas de malades, on n'a pas eu d'incidents, on a eu des petits trucs, mais bon, ce qui fait partie de la vie, finalement. On a accompli quelque chose en fait, on est là pour ça. On est au sommet, ça y est, on est à 4300 mètres. C'est un peu comme la fin en fait, c'est pas vraiment la fin, mais c'est un peu le but du projet Népal qui vient de s'achever en fait. Et c'est très émouvant et on est arrivés tous ensemble. Vraiment la grande majorité du groupe est arrivée au sommet, ça c'est vraiment un bonheur. Je me sens trop fière d'être arrivée là, franchement c'est incroyable. En plus... on a de la chance que ça se dégage un peu parce que toute la montée, on a eu un temps nuageux. Mais ouais, je suis trop heureuse, je suis trop fière de moi d'être arrivée jusqu'ici. J'avais certains doutes. On sait que si on a réussi, c'est grâce aux uns et aux autres. Donc on remercie tout le monde et voilà, c'est génial et on est tous très contents d'être ici. Je me sens très très bien, je suis très heureux d'être ici avec tout le monde, voilà quoi, et je suis très fier d'arriver ici. Moi je suis trop contente parce qu'on l'a fait tous ensemble, on a commencé le projet tous ensemble et je suis trop contente, on avait hâte, ça fait 5 ans qu'on est sur le projet, ça fait plaisir avec tout le monde, avec les porteuses, les porteurs, avec les camarades, les profs, franchement merci. Thank you.
un séminaire s'est déroulé durant 3 jours au jardin botanique de La Réunion, puis à la bibliothèque départementale et enfin aux archives départementales. Une formation organisée par le rectorat de La Réunion sur le thème du paysage autour de l'archéologie, du patrimoine et de la géologie. Les stagiaires, on va dire plutôt, qui sont formés aujourd'hui, il y a des enseignants du premier et du second degré. La plupart sont professeurs relais en services éducatifs, donc dans des structures culturelles. Donc l'idée, c'est d'utiliser un petit peu tout ce qu'ils vont découvrir aujourd'hui pour créer des nouvelles ressources un peu plus innovantes et qui lient art et sciences. On a également, il n'y a pas que des enseignants en fait, parce que le but d'un PREAC, c'est que ça soit aussi interministériel et intercatégoriel. Donc en fait, on a aussi des médiateurs, des agents, donc il y a des agents du parc, il y a une stagiaire du service archéologie de la DAC Réunion, on a des artistes qui participent aussi en tant que, donc non pas formateurs, mais formés. Donc deux artistes de création en cours qui viennent de Métropole et qui assistent à notre PREAC. Et en fait, c'est vraiment l'idée de croiser les publics. Parmi les intervenants conférenciers, Bernard Leveneur, directeur du musée Léon Dierks, qui est intervenu sur l'histoire du paysage dans la peinture, et David Gagneur, directeur de l'Iconothèque, qui a présenté les tables numériques avec une exploitation sur le paysage. Le musée va présenter une conférence sur les paysages célèbres et les paysages oubliés pour montrer en fait un peu dans l'histoire de l'art comment certains paysages étaient très connus. Et ils sont passés complètement, totalement oubliés aujourd'hui, et pour montrer justement le regard qu'on a pu porter à un moment sur les paysages célèbres de La Réunion. Ce qu'on va aujourd'hui présenter au public, et que ce public est essentiellement un public d'enseignants ou de formateurs d'enseignants, c'est-à-dire qu'après, c'est aussi finalement préparer la venue du public aussi au musée. C'est-à-dire qu'on forme les profs pour que ces profs puissent ensuite programmer des visites et que ces visites servent en fait à former, éduquer les jeunes de La Réunion. On va essayer de leur apporter des éléments iconographiques sur la lecture des paysages. C'est comment se repérer dans la base. Et une fois qu'on a identifié un corpus de documents intéressants, on peut envisager ensuite une activité pédagogique sur un outil culturel innovant qui est donc l'IconoTouch, qui est une table tactile, numérique, itinérante, qui se déplace donc dans les établissements scolaires. Une formation qui associe un aspect scientifique sur la lecture de paysages et un aspect artistique et patrimonial.